Mais là, on n'y voit rien là-dedans. Tu cherches quelque chose, bonhomme ? Il peut lui faire tellement mal qu'il va regretter que sa maman n'ait pas gardé les cuisses serrées. Je m'appelle Pierre. La cervelle de l'ombre. Le sang de l'armoire est mangeant. What? Nope. C'est moi, Spartacus. Vous avez pas remarqué que Timmy il est attardé? Viva! Je voudrais pas dire, je sens que ça renforce le bout de mes seins. Enfin, vous pouvez me croire, je sens bien la chaleur. Je me demande seulement pourquoi il faut que j'ai des seins super musclés. Un jour ou l'autre, ces bouts de seins sauveront la vie. Surprise, j'ai des tétons en titane. Je vous conseille de faire attention où vous mettez les pieds. T'es un vrai dur, toi, je suis sûr. Ça fait un bruit de noix de coco. Quoi? Une hirondelle transportant une noix de coco? Elle peut la prendre par la tige. Ce n'est pas une question de savoir par où elle la prend, c'est une question de rapport de poids. Un oiseau pesant 150 grammes ne peut transporter une noix de coco de demi-kilo. Ça n'a aucune importance. Je ne suis pas gros! Mettez-vous bien ça dans la tête! Ils vous ont encore volé votre Nesquik? Vous allez voir la castagne, qu'est-ce que la castagne, moi? Castagne, tête! Ta femme, j'ai pris, je l'ai enculé! Moi, je vous le dis, vous faites pas les hommes! Va baiser, t'es mort! Tu vas baiser! J'ai qu'un charrier dans la bouche, espèce de putain! Thank you.
j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Quand te reverrai-je, pays merveilleux. Je vous prends, je vous encule à part là, comme vous voulez. Vous m'appelez, on se donne rendez-vous, et on se passe à la castagne. Vous allez payer, vous inquiétez pas. J'ai rien compris. Tu peux ajouter celle-là à ta collection. Ah, merci. Non. Continuez, maître. Au! 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 Ça fait une éternité que j'attendais ce moment-là. J'ai enfin trouvé un adversaire. Je suis chaud bouillant. 12 seconds later. Come on, les gars, come on! On va y arriver! Arrête bien de pression! Ce n'était pas très conventionnel, mais vous avez réussi à éteindre le feu.